Pauvre Saiyan. Ok, ici il va se passer des dingues. Est-ce que le Black Belt... Non mais il faut double aura bolt. Donc le boss ça va le vaporiser. Ah tiens, je me demande si... Il y a la même technique qu'en speedrun. En gros, ici, on va se taper plein de poiscailles. Et le principe, c'est que plus vous... Enfin, les spawns de poissons sont infinis avant que le boss arrive. Mais c'est timé, en fait, après une minute. Donc ce qu'on peut faire, ce qu'on fait en speedrun, c'est qu'on attend 59 secondes et on tue le dernier poisson de la première vague et le boss pop. Mais bon, si on veut se taper du poiscaille, je sais pas si ça donne plus d'XP. C'est le problème, je crois que ça ne donne pas plus d'XP. Ah mais non, mais c'est là que je devais déséquiper Shadow. La Velde est située au sud d'ici. C'est une contrée dangereuse où habitent des créatures féroces. L'Empire nous poursuit, nous devons aller de l'avant. Le village de Moblitz est situé sur la côte est. Si nous parvenons à traverser le Velt, devrions nous y rendre. J'ai accompli ma tâche. Shadow! Merci pour ton aide. J'espère que nous pourrons à nouveau voyager ensemble un de ces jours. Bon, je l'ai pas déséquipé de son kunai, c'est dommage. Enfin, pas de son kunai, mais de son katana. C'est pas grave, je lui ai piqué sa tunique, c'est déjà ça. Tu peux déséquiper les persos même s'ils sont pas là ? Quoi cette blague ? Oui, dans les réglages, non ? Ah, c'est pas ça. Ouais, c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, on lui avait déjà enlevé tout le reste. Let's go. La chute la plus folle de l'histoire des JRPG. Donc là, en gros... Ah oui, mais il va Black Belt. Bon, vas-y, c'est pas grave. On va se taper du poiscaille en boucle. J'aurais dû les mettre derrière, par contre. Bon, c'est pas grave. C'est important que ce soit Saiyan qui termine le dernier, parce que c'est Sabine qui va être décisif pour le boss, pour Rhizopas. Oui, mais s'il y a Black Belt là, ça va être terrible. Attendez, de souvenir, c'est après, la musique va boucler, c'est 8 secondes après la boucle. Allez. Le remaster des Zik a l'air pas mal du tout. Ouais, les Zik, c'est très, très 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 correct. Ça a été supervisé par Uematsu, le remaster. Et ouais, les instrus, les réorchestrations sont plutôt très propres. Putain, le thème de Go, il est tellement beau en plus. Ils ont gardé le violoncelle. Et une histoire triste aussi, Go. Secret of Mana, le remaster, ouais, putain. Les remix des enfers.
Ok. On va espérer avoir le moins de combats possible avant d'arriver à Moblize. Vu que de toute façon, tant qu'on n'a pas la viande séchée, on peut pas obtenir go. Dommage, mauvais passing. Vas-y, arrive pas tout de suite. Oh merde. Wow. Paf. Oups. Méchant. Boost. Partir du Welt. Vous avez descendu les chutes de Barène? Incroyable. Leur débit est si élevé cette année, personne n'a pu atteindre notre village récemment. Oh vas-y, je veux bien prendre la nuit à l'auberge. Hein. C'est dans le village où il y a la quête avec le soldat qui reçoit l'aide de sa femme. Non, c'est à... Ah merde, ils en parlaient. Comment... Maridia... non, pas Maridia. Bref. Ville tout au sud-ouest et c'est plus tard. J'aurais juré avoir un enfant. J'aurais juré avoir aperçu un enfant parmi les monstres que je suis allé quand je suis allé à chasse hier. J'ai tout de même pas rêvé. L'autre jour, j'ai jeté un bout de viande séchée à des animaux et un enfant est sorti de la meute pour l'attraper. Très bien. Potion plus, hein. On est un peu obligé. Hein. Tant qu'on n'a pas de magicienne, c'est vraiment la S. Hein. Des courants sous-marins puissants parcourent l'abysse du serpent. En avez-vous entendu parler ? Non. Oh merde ! Oh, je pensais pas que ça allait me faire tout un délire. Et la Serpent Trench. Ah. Ça, c'était aussi un gros souvenir. Hommage FF4 aussi, avec la... Le passage souterrain qui va domicilier à Baron. Le courant pourrait vous emporter jusqu'à Nikea. Dommage qu'on ait volé notre scaphandre. Ah oui, le fameux scaphandre pour trois. Je peux envoyer des lettres et des colis n'importe où dans le monde. Si vous désirez envoyer quelque chose, faites-moi signe. L'entrée de l'abysse du serpent est située à l'intérieur du mont du croissant, au sud du continent. Et petit con ! Passifeur! Maman dit que nous devons être sages pour ne pas déranger le soldat qui se repose à l'intérieur. Un soldat grièvement blessé est récemment arrivé dans notre village. J'ai pansé ses blessures, mais son état ne s'améliore pas. Il ne s'accroche que pour lire les lettres qu'il reçoit de Maranda. Oui, voilà, Maranda. Ah, c'est vrai que le lore, il commence ici. J'avais oublié ça. Je suis un soldat de Maranda. L'Empire a envahi ma ville et m'a forcé à joindre l'armée impériale. J'ai refusé de participer à l'assaut contre Doma et j'ai voulu déserter, mais ils m'ont poursuivi. J'ai failli laisser ma peau. Je ne peux plus bouger. Je ne reverrai jamais Lola. J'ai mis une lettre sur le bureau. Pourriez-vous me la porter ? Il y a de plus en plus de soldats dans les rues de la ville, mais sinon tout va relativement bien. Les fleurs du jardin vont bientôt éclore. Le printemps approche. J'espère que tu vas un peu mieux. J'aimerais tant pouvoir être à tes côtés. N'en fais pas trop. Essaie de te reposer le plus possible et surtout guéris vite. N'oublie pas que je pense à toi tous les jours, j'ai si hâte de te revoir Lola. J'aimerais y répondre, mais je n'ai pas la force de tenir un crayon.
Voilà, désolé, je vais pas écrire ta lettre non plus, visiblement. Dwayne et Catherine ont tous les deux 16 ans, l'âge parfait pour tomber amoureux. Ah oui, c'est vrai, Dwayne et Catherine, putain. Y'a un follow-up de malade avec eux. White Cape, c'est très bien, hein, mais j'en ai déjà une. Je pourrais investir, mais on verra plus tard. On trouvera sûrement d'autres. C'est ça, l'âge idéal pour devenir parent. Il faut pas oublier qu'il y a, plusieurs années qui se passent. Lors du drame. Merci Zelkis. Large, bouclier large, le kimono. Attends, donc là je vais me battre. Kotetsu. On va prendre un côté. Ah non. Ah mais vu que j'ai mis Sabine en... En fait le problème c'est qui va prendre le Genji Glove dans cette histoire. Le Genji Glove en fait l'idéal c'est de le laisser à Edgar pour le scénario de Narche. Et c'est vrai que vu qu'il a le Black Belt, Sayad, on pourrait lui prendre un côté dessous quand même. Comme ça quand il contre-attaque... Ça envoie quoi. Eh mais du coup je lui enlève le... Le truc qui booste sa force, pas grave. Donc là il se bat à deux katanas. Putain ouais, c'est vraiment un scénario long, hein. Je me suis embarqué dans un délire. Bon, vu qu'il fait que de l'aura bolt, Sabine en vrai il peut être là. Hein. Quand même Saiyan en tank c'est pas optimal mais bon. Ah bah super. Ah oui, mais c'est vrai que c'est le truc hyper frustrant du Veldt, c'est que tu obtiens jamais d'expérience, et vu que là, pour l'instant, on peut pas faire de l'apprentissage de magie, c'est pour ça, entre guillemets, que c'est pas très intéressant de farmer maintenant. En plus du fait que... On a accès à très peu de monstres, vu que... On voit les monstres qu'on a vus dans le jeu. Oui, j'ai acheté la viande séchée. Du coup, on va directement se diriger vers l'endroit du crime. Qu'est-ce que... Quel étrange garçon. Je m'appelle Saiyan. Et voici Sir Sabine. Sabine? Saiyan? Go avoir faim! Désolé, nous n'avons plus rien. Sabine, trouvez nourriture! Espèce de petit schnappant! Sabine? Peureux! Tu veux te battre? Go pas vouloir te faire mal?
Arrête de te moquer de moi. Oh, oh, pas mal. Pour un avorton. Amusant. Sabine rapide. Go, Berné Sabine. Assez. Allons, allons, messieurs. Calmez-vous. Qui êtes-vous, mon petit? Vous? 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 Ah oui, c'est Tao. Vous, 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 vous. Saiyan va chier. Saiyan, Saiyan va chier. Bon, écoute, sa famille vient de se faire zigouiller, alors tu vas fermer ta gueule. D'accord? Go comprendre. Go, désolé. Vous faites pas de soucis pour moi. Ressasser des regrets ne mène à rien. Sir Go, je crois que nous allons bien nous entendre. Vous ferez-nous vous l'honneur de nous joindre à nous? Oh! Go donner cadeau! Go donner cadeau à Saiyan et Sabine! Cadeau pour avoir donné nourriture à Go! Quelle sorte de pacotille va-t-il nous offrir? Trésor de Go? Brillant, brillant! Brillant, brillant, brillant! Qu'est-ce qui peut bien être aussi brillant? Vous aimez les choses brillantes? Monsieur vous, c'est lui! Pas moi! Un truc brillant? Locke serait jaloux! Locke? Méchant? Locke volait trésor de Go? Locke? C'est un... Hé! Hey, écoute un peu quand on te parle, sale morveux! Regardez! Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. D'accord, d'accord. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, ici. Trésor brillant, ici. Sabine être à Moblize. Saiyan être à l'endroit où Saiyan et Sabine sortirent rivière. Go être au Mont du Croissant. Mont du Croissant! Trésor ici! Eh bien, partons. Nous devrions aller explorer ce Mont du Croissant. Devons-nous vraiment l'emmener? Vite! Sinon Go et Saiyan partir sans Monsieur Wu! Je l'ai pourtant expliqué! Je ne suis pas Monsieur Wu! Ah le kappa! Donc oui, Go, perso super intéressant parce qu'il peut avoir genre 200 et quelques attaques spéciales. En gros, il peut... On le met en rage, mais on le met en rage en choisissant un ennemi du jeu. Il va reproduire des attaques aléatoires de l'ennemi qu'on sélectionne. Et dans le Velt, on le fait plonger dans des combats et ensuite on continue à combattre dans le Velt et quand il revient... Il aura appris de nouvelles techniques, des monstres dans lesquels on l'a fait plonger. Bref, un saut très rigolo, mais qui demande beaucoup, beaucoup de temps d'investissement. Et dans le Velt, en fait, c'est une zone où on réaffronte l'intégralité des ennemis qu'on a affrontés dans le jeu. Enfant sauvage, ça c'est de la classe. Il a juste un bouclier. Ouais, bah il se bat au point, il est fort au point lui. Et on est presque à la fin du scénario de Sabine, c'est vrai, c'est réel.
Saiyan, le truc brillant de Go est quelque part ici. Où se trouve-t-il, Sirko? Go? Pas ce souvenir! Ah, fouillons la grotte. Excellente idée. Et ils te mettent les... Il n'y avait pas les spots. Une potion. Est-ce là le trésor de Sirgo? Qu'y a-t-il, Go? As-tu trouvé quelque chose? Ah! Mince, ma bourse, il y avait 500 giles à l'intérieur. Espèce de... Allons, allons, sœur Sabine, ne nous énervons pas. Mais quelle bouffe. Je crois que j'ai vraiment perdu l'argent en plus. Serait-ce le trésor? Brillant? Trésor, trésor! Ce n'est qu'une grosse boule de verre creuse. On dirait qu'on peut y insérer la tête. Ça pourrait peut-être servir. Tu crois que ce truc nous permettrait de respirer sous l'eau, Saiyan? Allons-y! Eh oui, le scaphandre pour trois, bien sûr. Le courant m'a l'air plutôt énervé. Ah. Ouais. Malheureusement, c'est la seule façon que j'ai de rejoindre les autres. Allons-y. Je sais plus ce qu'il a de bien. Bah, y'a Brawler qui est bien. Ah oui, mais ils ont un autre nom. Ah merde, putain! Oh merde, faut aller où? Pour avoir les trésors? Ah putain, je sais plus. Parce que nous, on prend pas les trésors, on faisait au plus rapide. Vous vous souvenez du routing pour avoir les deux trésors? Wyvern est bien? Putain, mais ça serait Vouivre. Ah non, mais j'ai. Dans les trucs que j'ai par défaut. Attends, eux ils aiment pas l'électricité, on va tenter Magitech. Parfait. Droite? Les deux fois? On va à droite alors. Ouf, putain, j'ai eu peur que ce soit une pincer. Attends, merde, c'est ceux en bas là qui peuvent me faire un sort de foot qui me tabasse l'arrêt là. Tue-le, je t'en supplie. Et merde. Ok, ça va. Ouais, il s'est fait protect en fait, Lago, au premier tour et laser Magitech au deuxième, c'est pas mal. Full droite pour les trésors, merci. Il est où l'interlude caverne là? Ah voilà.
Oui, putain, j'ai pas acheté. Mais oui, c'est vrai que dans le speedrun, on a. Ah oui, mais c'est après ça qu'on achète les smoke bombs pour s'enfuir des combats en deux frames. Oui, c'est arrivé là-bas, ouais. Droite. Droite donc. Oula. Allez. Zagrem, c'est le brawler, donc c'est juste des grosses patates de forain et un lancer de pierre, je crois. Aise. De fuck, y'a pas de trésor. Y'a rien là. Oh la baise. Y'avait qu'un trésor. Oh, c'était peut-être gauche alors. Et qu'est-ce qui se passe si je repars par là? Non, je pense pas. Ah ok. C'est rigolo, tu te retrouves vraiment dans un délire. J'avais oublié qu'il y avait ça. Let's go. Oh, Green Beret, c'est bien bien nice. Très très nice le Green Beret. Et nous voilà arrivés. En gros, ouais, si je parle à eux, je me casse. Ce qu'il y a à faire à Ikea en vrai. Protège contre aveugle, anneau de fée. Protège contre poison aveugle. C'est quoi un bled? T'inquiète. Ils vont le green bat là. Ah non, ils vont même pas le green bat. Ouais, c'est vraiment un truc quali quoi. Peut-être que je prenne des armures de fer, il y a que Céleste qui a ça. Nous on a des armures de clodo là, des armures en cuir. Au niveau des casques, j'ai pas grand chose. Lui, ils vont pas rune edge ou un truc de fou? Ah non, c'est quand on revient. Griffe de mithril, c'est fort. Ah, la lance de mithril de Mog, il l'avant, tiens. Ah voilà, fumigène. 300 balles. Mais le fumigène pour pouvoir s'enfuir d'un combat directement. Mais bon, c'est surtout pour le speedrun. Là, j'en ai pas besoin en réalité. Je vais en prendre quoi, histoire de. Et on a terminé le scénario de Sabine quand on aura pris le bateau. Ouais, je vais juste voir s'il y a du loot. Elixir. Dans les horloges. Un glissement terrain a bloqué la route du nord qui suit la côte. Ah, je me souviens même plus quoi. On va tellement jamais là. C'est vraiment un tout petit bled hein. Merde. Ah mais oui, c'est la ville qui est au sud de l'opéra. Non, pas du tout. C'est vraiment le bled quoi. Au milieu de nulle part.
L'étape de Chocobo, on pourrait aller scouter, mais vraiment, ouais, je pense qu'il y a vraiment rien à voir. T'as pas un petit trésor? Non. Ok. Est-ce que je les déséquipe? Je peux les déséquiper en vrai. C'est ce qu'on faisait en tout cas. Là, j'ai même pas fait gaffe qu'on pouvait se déplacer en diagonale. Oui, ça c'est life changing quoi. Incroyable. Bonjour mon chéri. Comment ça? Ah oui. Quelle conduite licencieuse, ne vous approchez pas de moi. C'est pas si rigide, amuse-toi un peu, regarde. T'as déjà vu d'aussi beau melon? Comment ça? Des melons? Ancien, tu es une proie facile. Ces charmes n'ont aucun effet sur vous. C'est un des avantages de ma vie d'asset. Oh, ne me laisse pas ici toute seule! Ah, c'est une jeune femme, se doit d'être chaste et modeste. Qui plus est. Autrefois, nous desservions aussi les villes du continent du Sud, Zen, Albrook, Maranda, elles ont toutes été envahies par l'Empire. Ok. Attends, il y avait Back in the Day. Ah non, c'est pas ce port-là où il y avait un truc au nord. Il y avait des caisses au nord où il y avait des trucs. Ok, my bad. Ok. Et c'est la fin du scénario de Sabine. Voilà, est-ce qu'on peut lui enlever sa putain de mithril paille parce que j'en ai pas racheté une, hein. Narche des plus très loin. J'espère que les autres sont arrivés sains et saufs. J'en suis certain. Ouais. Il a le mal de mer, gros. Non, on pouvait seulement le faire dans le combat avec Locke au début. Sage. Très bien, on va m'arrêter là. Petite session de 4 heures.